Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'internaute.com. Question argent, votre rendez-vous régulier où des experts viennent vous répondre à vos questions. Et aujourd'hui, nous allons parler de la rénovation des ascenseurs. Depuis 2003, il y a un programme gouvernemental, un planning même, qui impose régulièrement des étapes pour rénover les ascenseurs et l'ensemble du parc des ascenseurs. Ça vous concerne donc vous également, surtout si vous êtes dans une copropriété. Et aujourd'hui, nous recevons Jean-Luc de Tavernier, le délégué général de la Fédération des ascenseurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour donc évoquer cette rénovation obligatoire et donc toutes ces étapes et essayer de d'éclairer les internautes qui se posent encore des questions et ou encore qui se poseraient encore des questions sur le sujet. Juste pour un petit peu cadrer les choses, en France, il y a à peu près 500 000 ascenseurs, c'est ça ? À peu près. Il y en a seulement 12 000 nouveaux par an. Il faut savoir que plus de la moitié ont plus de 25 ans. Donc, ça fait 25 ans qu'ils ont été installés. Et dans cette proportion-là, il y en a 25 qui ont plus de 40 ans, ce qui fait quand même une masse d'ascenseurs vétustes assez impressionnante. Oui, c'est un quart du parc français qui a plus de 40 ans d'âge. Certes, aujourd'hui, une bonne partie de ces appareils font l'objet de travaux de mise en sécurité. Et ça accompagne en même temps une rénovation, une modernisation de ces ascenseurs, qui seront de plus en plus utiles dans l'avenir, puisqu'on a en France une population qui vieillit et qui aura besoin d'être maintenue à domicile pour tout un tas de raisons. Et donc l'ascenseur deviendra de plus en plus nécessaire. Vous avez 30 minutes pour poser vos questions, donc pour un peu maîtriser le sujet. On commence tout de suite avec celle de Hervé qui vous demande quelles sont les obligations de rénovation. Alors, les obligations de rénovation sont issues d'une loi datant de 2003. En fait, c'est un article de la loi Urbanisme et Habitat en 2003 qui a instauré une obligation de mise en sécurité des ascenseurs pour répondre à un certain nombre d'obligations, 17, qui ont été prescrites par le législateur français. C'est une démarche qui est entreprise au niveau européen pour amener les ascenseurs vieillissants au niveau de l'Europe à un niveau de sécurité comparable aux ascenseurs les plus récents. Et donc, en France, il a été choisi de donner 15 ans pour déployer ces mesures de mise en sécurité en trois périodes de 5 ans. Nous sommes pratiquement au terme de la deuxième période de 5 ans. Qui aurait dû se terminer au mois de juillet dernier, qui a été décalé d'un an. Alors, le constat a été fait par une enquête du ministère qui diligentait tous les deux ans d'un avancement insuffisant de ces travaux de la deuxième échéance à la fin de l'année dernière, à l'automne dernier. On était à 60% d'avancement. Et donc, Madame la ministre du Logement a choisi de donner un an de sursis aux propriétaires concernés pour faire ces travaux de la deuxième échéance, donc maintenant programmés en juillet 2014. Question de Noël. Mon immeuble est équipé d'un élévateur. Est-il concerné par les obligations de rénovation ? Alors, s'il s'agit d'un élévateur, par exemple l'élévateur pour personnes à mobilité réduite, c'est un appareil qui est conforme à une directive machine et non pas à la directive ascenseur. Ce n'est pas un ascenseur. Si c'est le cas, il n'y a pas de travaux de mise en sécurité prescrits. Par contre, il a toute chance d'être conforme à la directive machine et ça doit être affiché en cabine avec un marquage CE. D'accord. Donc à Noël, c'est de vérifier que l'élévateur correspond bien aux caractéristiques imposées par cette. Voilà, avec un marquage CE de conformité à la directive machine. Question de Joël. Est-ce que la date d'installation de l'ascenseur compte dans les travaux obligatoires ? Si oui, à partir de quelle date d'installation est-on dispensé de cette dépense ? Alors c'est une bonne question puisque les appareils qui ont été installés en France à partir de 2000, date de la transposition en droit français de la directive ascenseur sont conformes à la directive ascenseur, la directive 95-16-CE, et donc conformes à toutes les dispositions de sécurité les plus récentes. L'objet des travaux de mise en sécurité prescrits par la loi qu'on va appeler SAE comme sécurité des ascenseurs existants, c'est d'amener le parc qui existait à un niveau de sécurité comparable aux appareils les plus récents. Donc, tout ce qui a été installé avant 2000 et qui n'est pas marqué CE. D'accord. Donc, pour résumer, les immeubles qui ont jusqu'à 10-13 ans d'existence, on n'a pas besoin de se poser la question. Oui, parfois 14 ans, 15 ans, parce qu'à la fin des années 90, il existait déjà des produits conformes à la directive ascenseur, parce que la directive ascenseur date de 1996. Sa transposition en droit français qui l'a rendu obligatoire pour toute installation sur le territoire français ne s'est faite qu'en 2000. Est-ce qu'il y a une. J'évoquais tout à l'heure la statistique, hein, un quart des ascenseurs a plus de 40 ans. Est-ce que c'est cela qu'il faut se poser la question le plus par rapport à cette nécessité de rénovation quand on a un vieil ascenseur, même s'il marche très bien ? Je vais faire une réponse de Normand, oui et non. Un ascenseur peut être très ancien et avoir subi plusieurs fois des travaux de modernisation.
Alors, je vais prendre un exemple concret qui est l'exemple de l'immeuble de bureau dans lequel se trouve la Fédération des ascenseurs. Nous sommes dans un arrondissement de Paris et de mon bureau, je vois deux cours d'immeubles, le nôtre et puis l'immeuble à côté. Ces immeubles datent de la même époque. Dans notre immeuble, les travaux de mise en sécurité de l'ascenseur ont coûté à la copropriété quelques milliers d'euros. Mais il se fait que cet appareil, qui a sans doute 50 ans d'âge aujourd'hui, avait fait l'objet plusieurs fois de travaux de modernisation assez importants. Dans l'immeuble à côté, on a déposé l'ascenseur, enfin j'ai vu de mon bureau qu'on déposait l'ascenseur et qu'on le remplaçait par un neuf. Pourquoi? Parce que cet ascenseur datait exactement de la même époque, mais probablement n'avait jamais fait l'objet de travaux, et donc les copropriétaires se trouvaient face à un montant de travaux très important à faire qui a occasionné le remplacement pur et simple de l'appareil qui était finalement plus économique. Voilà. D'accord. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas trop mégoter sur l'entretien de l'ascenseur, et, parce que c'est souvent des débats qu'il y a dans les assemblées générales de syndic. Est-ce qu'on fait la dépense, pas la dépense? On essaie un peu de, voilà, d'éviter que le budget s'envole, et à un moment donné, on peut renier un certain nombre d'années et au final, la facture s'avère plus lourde à la fin. Voilà. Alors, l'entretien est une chose. L'entretien a été rendu obligatoire il y a très très longtemps en France et c'est probablement ce qui a occasionné un vieillissement du parc. On a des appareils qui ont 50 ans, 60 ans et qui fonctionnent encore très bien. Ils ne présentent pas toutes les garanties de sécurité d'un appareil récent, mais ils fonctionnent encore très bien parce que les obligations d'entretien existaient depuis très longtemps, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les pays européens. De ce fait, on a perdu le réflexe en France de transformer, moderniser, remettre à niveau les appareils existants. Et l'une des vertus de la loi sur la mise en sécurité, et c'était voulu au départ quand le gouvernement Jospin, à l'époque, c'était Mme Linnemann qui était secrétaire d'État au logement, a initié les principes de cette loi, même si elle est parue quelques années plus tard, deux ans plus tard, avec Gilles de Robien, ministre du Logement à l'époque. On a une série de questions de propriétaires bailleurs, notamment Valérie, qui vous demande « Puis-je répercuter à mon locataire toute ou partie de la dépense pour rénover l'ascenseur ?» Alors, une partie des frais relatifs à l'ascenseur est imputable effectivement au locataire, et c'est notamment le cas pour les opérations d'entretien. Pour ce qui est vous anticipez la question de Nicolas qui vous posait juste derrière cette question-là. Pour ce qui est des opérations de rénovation ou de mise en sécurité du parc, a priori, c'est à la charge du propriétaire. Il y a un pourcentage que vous sembliez dire dans votre réponse que toute la charge n'est pas à répercuter. Donc il y a une partie de la dépense qu'on ne va pas attribuer au locataire ? Alors, c'est comme toute charge d'un immeuble, je dirais, il y a une partie qui est récupérable sur le locataire et une partie qui reste à la charge du propriétaire. Donc tout ça est parfaitement défini. Les syndics sont mieux informés que moi de ces dispositions qui me concernent très peu au niveau de D'accord. la Fédération des ascenseurs. Oui, je comprends. D'accord, mais donc faut ce qu'on peut répondre à Valérie et à la fois à Nicolas, que ce soit sur la dépense pour les rénovations là, dont on évoque aujourd'hui dans le cadre de notre émission, ou les charges d'entretien, on peut en répercuter une partie aux locataires. Les charges d'entretien à coup sûr, les dépenses de rénovation pas forcément, mais en tout état de cause, elles bénéficient d'une TVA à taux réduite, qui est une facilité qui a été accordée pour ces travaux. Question de Bernard. Mon immeuble a été construit au XVIIIe siècle. Un ascenseur a été installé à la place des escaliers réservés pour le service et les chambres de bonne qui n'existent plus. Cette installation n'étant pas prévue dans la construction initiale, est-ce que les obligations de rénovation peuvent conduire à enlever l'installation ? Alors, enlever l'installation, j'espère que non pour les propriétaires de cet immeuble. Alors, c'est fréquemment le cas qu'un ascenseur soit installé dans un emplacement assez réduit, ce qui fait que c'est un ascenseur qui va être utilisable par une ou deux personnes, mais c'est toujours ça d'acquis. Je dirais aujourd'hui, quand on raisonne au fait que dans quelques dizaines d'années, 15 ans, 20 ans ou plus tard, un tiers de la population française sera âgée de 60 ans et plus, quand on raisonne sur le fait que cette population sera maintenue à domicile le plus longtemps possible, on voit combien le fait d'avoir un ascenseur dans un immeuble est précieux. Et il est déjà aujourd'hui convenu qu'une plus-value est donnée aux appartements lorsque l'immeuble est doté d'un ascenseur. D'accord. Alors souvent, ce sont des ascenseurs qui ne sont pas accessibles à des personnes handicapées. Donc, c'est oui, parce une que personne... pas assez large, le fauteuil ne rentre pas dedans. Voilà. Quand on a utilisé l'espace d'une cage d'escalier pour créer un ascenseur, c'est une ou deux personnes debout. Alors, ça va être une personne valide, ça va être éventuellement une personne plus âgée avec un déambulateur. Et puis le jour où malheureusement cette personne se retrouverait dans un fauteuil roulant, elle n'entrerait plus dans la cabine. Ce n'est pas le cas des ascenseurs plus récents qui, par obligation, sont faits pour pouvoir contenir des personnes handicapées. D'accord.
Normalement, enfin, quand on a installé un ascenseur dans, justement, dans des lieux qui n'étaient pas adaptés pour cela et qu'on a fait en sorte que ça rentre dans le lieu, ça veut dire que notamment la cage d'accès technique, tout ça normalement a été vérifié et était compatible. Ah oui, si on fait la création d'un ascenseur dans un immeuble existant, on n'a pas les contraintes de l'appareil neuf en termes de dimension. Alors ces dimensions de la gaine, c'est aussi réserve haute ou cuvette, là il s'agit de la protection des travailleurs pour lesquels on va avoir des assouplissements ou des dérogations possibles lorsqu'on est en création dans un immeuble existant. Cela dit, pour le reste, les organes de sécurité sont les mêmes et en conformité avec la réglementation applicable au moment de l'installation. D'accord, ce qui explique que pour Bernard, il n'a pas à s'inquiéter. Il doit vérifier si son ascenseur est aux normes, Voilà, donc en mais. fonction de l'âge de l'appareil, en fonction des travaux qui auront pu être faits précédemment, il y aura lieu ou pas de faire des travaux, mais on se retrouve dans un contexte tout à fait identique à l'ascenseur qui aurait été mis en œuvre dans le bâtiment au moment de sa création. D'accord. Ce qui veut dire que si on a ajouté cet ascenseur dans les années 2000, là encore, comme pour un nouvel ascenseur dans un nouveau bâtiment, on est exempt d'application? Logiquement, oui. C'est-à-dire que si l'ascenseur a été installé après 2000, il s'est conformé aussi à la directive ascenseur. D'accord. Question de Marc. Depuis 3 ans, je me bats pour procéder à la rénovation de l'ascenseur de l'immeuble qui est régulièrement en panne. Pas un mois sans qu'il soit indisponible, que des gens restent coincés. Mais j'ai une minorité de copropriétaires qui refusent de voter les travaux. Que puis-je faire pour les raisonner? Alors, à ma connaissance, mais je ne suis pas un spécialiste de la gestion des copropriétés, plutôt un spécialiste de l'ascenseur, il n'y a pas nécessité d'une majorité absolue pour faire effectuer les travaux. Majorité relative. Oui, tout au moins à la Oui. deuxième présentation du projet. D'accord. C'est-à-dire que dans une assemblée générale, par exemple, on peut imaginer qu'on n'ait pas une majorité absolue sur cette décision. On peut tout de suite après, et dans les mêmes lieux et au même moment, faire une deuxième assemblée, représenter le projet avec une majorité relative. D'accord. Donc là, normalement, il faut en fait se concerter avec le conseil de syndic et puis le syndic pour faire en sorte que si jamais il y avait un vote. Comme c'est le cas pour Marc, voilà, de prévoir une reconvocation. Oui, c'est important. Pourquoi quelqu'un seul dans un immeuble ne peut pas faire blocage pour ses travaux de mise en sécurité? C'est que derrière, ça entraîne des problématiques de responsabilité pour les propriétaires. Donc, le jour où il y aurait un accident et où quelqu'un porterait plainte et des copropriétaires seraient cherchés en responsabilité, bon, ils pourraient toujours chercher à apporter la preuve que eux avaient voulu faire les travaux que d'autres n'ont pas voulu faire. Le juge n'entendra pas de cette façon, si vous voulez. Il mettra tout le monde dans le même sac. Tout à fait. Question de Jacqueline. Bonjour monsieur de Tavernier. Mon syndic m'a envoyé il y a un mois un devis de 3 prestataires pour rénover notre ascenseur. N'étant pas experte, comment savoir lequel va offrir le meilleur service au meilleur prix? Alors, c'est une question qui est fréquemment posée par les propriétaires. À qui faut-il faire appel? Comment faut-il faire ses choix? Il y a plusieurs façons de procéder. La façon de procéder la plus fréquente aujourd'hui, c'est de faire appel à un conseil. Alors, le conseil peut être tout simplement le syndic. Je pense que les syndics ont acquis une grosse expérience depuis 10 ans dans ces travaux de mise en sécurité, ont vu bon nombre de devis, ont vu des travaux se réaliser. Ils savent si les travaux ont été bien faits ou pas. Si c'est un syndic professionnel, si c'est Si un c'est un syndic syndic bénévole, c'est un peu plus. professionnel, j'entends bien sûr. On peut faire confiance à l'ascensoriste, qui est l'homme de l'art, celui qui entretient l'appareil depuis 10 ans, 15 ans, et sans doute celui qui a la meilleure connaissance des problématiques que peut poser l'appareil et préconiser les travaux. Mais il est normal aussi que les gens aient consulté pour étalonner éventuellement un prix. S'ils le désirent, ils ont tout un tas de bureaux d'études qui aujourd'hui exercent spécifiquement autour des ascenseurs. Pour deux raisons, pour les travaux de mise en sécurité, pour lesquels ils peuvent faire les cahiers des charges, les comparaisons des offres, etc., mais aussi pour les contrôles techniques quinquennaux, bien souvent il s'agit des mêmes individus. D'accord. Question de Mylène. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre. Est-ce qu'un ascenseur peut être privatisé? Et si oui, qui paye les charges d'entretien? Alors, c'est des cas d'espèce, effectivement, mais il existe tout un tas de modes de privatisation plus ou moins partielle ou plus ou moins totale d'un ascenseur. Alors là, bon, je dirais dans la gestion de la copropriété, c'est toujours pas mon domaine de prédilection, mais on imagine bien que s'il devait y avoir un ascenseur dans un immeuble qui ne sert qu'à un seul des propriétaires et qui est le seul à avoir accès à l'appareil avec une clé de verrouillage de l'appareil,
c'est lui qui en supporterait l'intégralité de l'entretien, bien sûr. D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'il faut bien, au moment du vote des travaux, savoir si c'est un accès libre, si c'est un accès réservé ou privatisé, pour répartir correctement les charges. Si il se faisait qu'un appareil ne dessert pas l'ensemble des étages et ne peut pas servir à l'ensemble des gens qui vivent dans l'immeuble, on se retrouverait dans ce cas de figure. Et ce cas de figure est très peu fréquent, fort heureusement. L'ascenseur est plutôt généralement quelque chose qui est totalement en libre service. Et c'est une des problématiques, justement, c'est qu'il appartient à un ou quelques propriétaires et qu'il est mis à la disposition, à la libre disposition de chacun. C'est le livreur de pizza, c'est le livreur de colis DHL, c'est la cousine de la dame du troisième étage. Tout le monde peut se servir de cet appareil, peut éventuellement prendre des risques dans un appareil qui ne présente pas toutes les garanties de sécurité, et pour autant, il appartient à un ou quelques propriétaires. Question de Pascal, quelle est la durée de vie d'un ascenseur ? Alors, la durée de vie d'un ascenseur, il faut savoir que c'est quand même un équipement électromécanique. Donc si on réfléchit et si on fait des comparatifs à d'autres équipements électromécaniques, la voiture, l'avion, l'ascenseur a une durée de vie qui est beaucoup plus importante. Un avion a une grosse durée de vie, c'est sans doute le deuxième moyen de transport, si je qualifie l'ascenseur de moyen de transport, avec la plus grande longévité. Sauf qu'un avion, dans sa durée de vie, il est reconditionné totalement 2 ou 3 fois. L'habitude des propriétaires vis-à-vis de l'ascenseur est différente, et justement quand on a une loi qui implique un certain nombre de travaux de rénovation, de mise en sécurité, on s'interpelle, on s'interroge, alors qu'on ne s'interroge absolument pas sur l'avion et qu'au contraire, on voit avec toute complaisance le fait que les gens qui ont un avion, même s'il a 35 ans, l'ont reconditionné deux fois ou trois fois dans sa durée de vie. En ce qui concerne la voiture, chacun sait que la durée de vie n'est pas de 40 ans ou de 50 ans. Il existe encore aujourd'hui bon nombre d'ascenseurs qui, un quart on dit, ont plus de 40 ans. Donc on a bon nombre d'ascenseurs qui ont 50 ans, 60 ans et qui sont tout à fait en état de fonctionner. Il y a des ascenseurs, je peux vous en montrer, qui ont 80 ou 90 ans et qui sont encore en état de fonctionner. D'accord. C'est le paradoxe d'une maintenance peut-être trop efficace. J'entends par là, les fabricants d'ascenseurs ont très longtemps refabriquer des pièces à l'identique des pièces existantes il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 80 ans, de façon à être capable de dépanner des appareils pour lesquels les pièces détachées n'existaient plus depuis longtemps. D'accord. Aujourd'hui, c'est trop cher d'employer ce genre de solution. Puis il faut bien distinguer, hein. J'imagine que ces ascenseurs très anciens ne sont pas forcément très accueillants quand on monte dedans, mais par contre, ce qui permet de les élever, de les faire circuler, fonctionne très bien. Oui, alors, ce à quoi parce il faut être attentif. Chez les gens, quand on monte dans l'ascenseur, voilà, le décor de l'ascenseur, l'allure de l'ascenseur conditionne l'appréhension du fonctionnement souvent. C'est vrai, et c'est un tort, parce qu'on peut avoir un ascenseur qui soit totalement en sécurité et dont la cabine a une esthétique qui est tout à fait peu accueillante, et inversement, on peut avoir une belle cabine. J'ai vu des installations où les propriétaires voulaient bien consacrer des travaux à l'ascenseur, et pour peu qu'on voyait la différence. Donc ça touchait à l'esthétique des portes, à l'esthétique de la cabine, et peu importe si les organes de sécurité étaient encore opérants ou pas, c'était pas le souci, parce que ça se passait en machinerie et personne ne le voyait. D'accord. Donc oui, donc faut ça, c'est, j'imagine, c'est des débats qu'il doit y avoir en assemblée générale, où la dépense n'étant pas voyante, on se pose la question de savoir si on l'a fait. C'est vrai. Question de Brice. Comment savoir si l'ascenseur de notre immeuble doit être rénové ? On y revient un petit peu sur le sujet. Contrairement à l'automobile, où lorsqu'on passe un contrôle technique, on a un macaron, contrairement à un certain nombre d'autres équipements pour lesquels on voit de façon très nette et très claire si l'équipement est conforme, pas conforme, en sécurité, pas en sécurité, rien n'a été prévu en ce qui concerne les ascenseurs. Donc lorsque vous empruntez un ascenseur, et je pense que tout un chacun en emprunte régulièrement chaque jour, puisqu'il y a 100 millions de trajets par jour en France, on ne sait pas si les organes de sécurité sont en conformité avec les derniers règlements ou pas, opérants ou pas. Donc, un contrôle technique quinquennal a été rendu obligatoire. Une fois tous les 5 ans, un organisme de contrôle va vérifier que une obligation est donnée d'un contrat de maintenance, d'un contrat d'entretien pour qu'un ascenseur puisse être maintenu en fonctionnement. Les visites de maintenance doivent être espacées de 6 semaines maximum. Donc, un technicien sera passé pour vérifier le fonctionnement
des principaux organes de sécurité toutes les 6 semaines maximum, c'est les garanties que tout un chacun peut avoir en empruntant un ascenseur. Cela dit, est-ce que l'ascenseur est en conformité ou pas avec les derniers règlements? Le seul moyen de le savoir, c'est de demander le rapport du contrôle technique quinquennal, qui doit pouvoir être mis à disposition de chacun des propriétaires, bien évidemment, mais même des locataires de l'immeuble. Et qui possède, c'est le syndic, c'est le conseil de syndic? Le conseil syndical et le syndic professionnel, s'il y en a un, possèdent ce rapport. L'erreur serait de prendre ce rapport en disant « j'ai satisfait une obligation réglementaire, j'ouvre le tiroir et je le classe dans le tiroir et si on me le demande, je le produirai ». C'est fait pour être lu et en particulier par les gens qui utilisent l'appareil. D'accord. Question de Michel, pour continuer un peu sur cette thématique de la détection de la rénovation. Elle vous demande, est-ce qu'il y a des repères sur les pannes qui annoncent la nécessité de changer un ascenseur? Est-ce que quand on voit qu'il y a une régularité de choses qui arrivent ou d'incidents qui arrivent, est-ce qu'il faut se dire, bon, bah là, il serait peut-être temps d'agir? Alors, on peut donner quelques indications, simplement. Il n'y a pas effectivement un critère qui fait que, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que 80% des pannes d'ascenseur viennent des portes. Et que quand on a une recrudescence de panne, ça peut être soit lié à un phénomène aléatoire que l'entreprise a de la difficulté à discerner lorsqu'elle l'aura trouvé, l'appareil repartira normalement. Si c'est des pannes très fréquentes, on en a des exemples presque journellement par des articles dans la presse faisant état de barres HLM où les appareils ont 40 ans, 50 ans comme l'immeuble et où les appareils sont très fréquemment en panne. C'est bien souvent effectivement parce que l'appareil est complètement fatigué, est arrivé en fin de vie, n'a pas fait l'objet de grosses rénovations pendant ses 40 ans. Et là, on va avoir effectivement 10 pannes par mois, et la majorité de ces pannes venant des portes. Et il faut à minima remplacer les portes, si pas remplacer une bonne partie des composants de l'appareil. D'accord. Dans ces pannes, c'est plus souvent des pannes mécaniques ou c'est alors tout le temps des pannes mécaniques, mais est-ce que c'est propre à l'usage régulier? Vous avez cité tout à l'heure donc des 100 millions, c'est ça? 100 millions de trajets par jour. Trajets par jour. Donc, on imagine que chaque ascenseur en monte quelques étages par jour. Est-ce qu'il y a donc, est-ce que c'est à chaque fois lié au matériel directement ou bien est-ce que éventuellement on peut aussi dire que l'usage fait parfois l'usure de l'ascenseur? Alors je vois à quoi vous faites allusion. On a aujourd'hui un parc qui, du fait des travaux de mise en sécurité, est moins facteur de panne. On constate effectivement qu'on est en moyenne à 3 pannes par an par ascenseur. Si on imagine que là-dedans, il y a des ascenseurs qui ont des trafics beaucoup plus importants, des nombres de niveaux beaucoup plus importants et des conditions d'usage qui les conduisent à des niveaux de panne plus élevé, bien plus élevé que ces 3 en moyenne, ça veut dire qu'il y a bon nombre d'appareils pour lesquels il n'y a pas une panne par an, si vous voulez. D'accord. Néanmoins, il y a beaucoup de dysfonctionnements. Il y a beaucoup de moments où on appelle l'ascenseur, puis l'ascenseur ne vient pas, on n'en comprend pas bien les raisons, on a tendance à considérer qu'il est en panne. Il n'est pas en panne, c'est simplement que la dame du 5e étage est arrivée à garer sa voiture au sous-sol au moins 2 pour décharger ses courses, et qu'elle a commencé, comme il vous est arrivé de le faire, moi aussi, je l'avoue, par bloquer la porte avec le pack d'eau pour pouvoir faire 2 ou 3 allées et venues au coffre de la voiture, décharger tous ses sacs de course et ne faire qu'un seul voyage pour monter au 5e étage. Pendant ce temps-là, la dame du 8e, qui avait appelé l'ascenseur, n'a pas vu arriver au bout de 30 secondes, 45 secondes, une minute, et puis au bout d'une minute, quand on attend l'ascenseur, on n'est pas habitué, donc on se dit, il est en panne, on descend par les escaliers, on est un peu grincheux. Ce sont des dysfonctionnements qui peuvent être évités. Il faut que les gens aient le réflexe des bons comportements. Et à cet usage, on a fait, au niveau de la Fédération des ascenseurs, un petit dépliant qui est... Oui, qu'on peut montrer, qui est là, voilà. Voilà, qu'on peut montrer. Vous pouvez télécharger donc, sur Internet. Qui est téléchargeable sur le site de quelques ascensoristes, mais bien sûr aussi sur celui de la Fédération des ascenseurs, donc www.ascenseur.fr. Alors, on peut le consulter sur le site, on peut le télécharger, on peut le prendre et l'afficher dans les couloirs de l'immeuble si on a des voisins qui ne se comportent pas bien parfois avec l'appareil. Et ça explique quels sont les bons comportements à avoir, qui sont, je dirais, non pas, qui vont pas diminuer le nombre de pannes, mais qui vont diminuer le nombre de dysfonctionnements, c'est-à-dire de circonstances où on a l'impression que l'appareil ne remplit pas son service. D'accord.
Question d'Alex. Est-ce qu'il existe des modèles d'ascenseurs plus recommandés que d'autres ? Alors, c'est certainement pas le délégué général de la Fédération des ascenseurs qui va faire de la publicité pour une marque d'ascenseurs plutôt qu'une autre. Mais des caractéristiques. Est-ce qu'il y a des choses dans un ascenseur qui, aujourd'hui, par rapport à ce que vous dites, aujourd'hui, il y a des ascenseurs qui n'indiquent pas où se trouve l'ascenseur, d'autres l'indiquent si la porte est ouverte ou si l'ascenseur est en cours de mouvement dans l'immeuble. Est-ce qu'il y a des choses qui, aujourd'hui, compte tenu de tout ce que vous nous avez dit au cours de l'émission, est-ce qu'il y a des caractéristiques sur lesquelles il faut être un peu plus attentif parce que ça peut éventuellement faire de la prévention face à de potentiels ressentis de panne ? Alors, ce que vous évoquez là, en fait, ce n'est pas propre à des produits. Ce sont des options qui sont proposées sur les produits. Effectivement, une bonne partie des ascenseurs qui sont installés aujourd'hui sont, dans les immeubles résidentiels en particulier, sont installés par des entreprises générales qui choisissent un ascenseur dans un contexte. Donc, l'esthétique de la cabine est souvent importante en fonction de la nature et du cachet de l'immeuble. Les fonctions technologiques de l'appareil, beaucoup moins importantes au vu d'une entreprise générale qui achète un produit parce qu'elle recherche l'économie. Et ce que vous évoquez, c'est-à-dire les indicateurs, sont des facilitateurs d'usage. Effectivement, la personne qui s'impatiente peut localiser que l'appareil est bloqué à l'étage en dessous d'elle et puis faire qu'un niveau par les escaliers et puis aller dire à la dame qui a bloqué la porte pour finir la discussion avec sa copine du 9e qu'il faudrait peut-être débloquer la porte de l'ascenseur pour qu'elle puisse l'emprunter. Très bien. Question de Yann. Comment s'assurer que les travaux de rénovation répondent bien aux obligations de la loi ? Tout à l'heure, vous nous aviez parlé, donc il y avait un expert qui devait intervenir après quelque chose. Donc c'est la réponse que vous refaites à Yann ? Voilà, donc c'est l'objet du contrôle technique quinquennal. Mais là, dans le cadre de la rénovation obligatoire, est-ce que une fois qu'on a fait la rénovation, est-ce que ce délai de 6 semaines vaut aussi pour les travaux ou bien il faudra attendre ? Le contrôle technique, 6 semaines, c'est l'espacement entre 2 visites de maintenance. Le contrôle technique quinquennal, c'est une fois tous les 5 ans, mais il y a une date de départ. Et la date de départ, elle a été fixée par la réglementation dans l'année qui suit l'exécution des travaux de mise en sécurité, justement pour avoir une supervision de la prise en charge des mises en sécurité obligatoires. Comme la première échéance des travaux de mise en sécurité s'est achevée au 31 décembre 2010, tous les contrôles techniques quinquennaux devaient être faits pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2011. À ma connaissance, aujourd'hui, il doit y avoir à peu près 40% des contrôles qui n'ont toujours pas été faits. D'accord. Et parce que c'est la copropriété qui n'a pas commandé un contrôle, parce que ces contrôles sont sur demande, c'est pas quelqu'un qui vient frapper à la porte de la copropriété. Aujourd'hui, c'est à votre tour, on vous contrôle. Non, ça, c'est le calendrier des postes, c'est différent. Alors, la loi a prévu dans ses dispositions de révisiter les contrats d'entretien pour notamment impliquer 6 semaines d'espacement maximum entre 2 visites et des dépannages 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, quel que soit le lieu d'installation de l'appareil. Ça, c'est la première disposition. Deuxième disposition, des travaux de mise en sécurité, 17 mesures, on l'a évoqué tout à l'heure. Troisième disposition, l'instauration d'un contrôle technique quinquennal par un tiers qui n'est ni le propriétaire ni l'ascensoriste. Donc c'est l'intervention d'un tiers qui vient s'assurer que les dispositions contractuelles entre le propriétaire et l'ascensoriste conviennent vis-à-vis des dispositions réglementaires, que les organes de sécurité principaux fonctionnent et que lorsqu'il y a des opérations de mise en sécurité à faire, elles sont faites dans les délais voulus. D'accord. Alors, paradoxalement, les propriétaires n'ont pas trouvé intérêt à ce contrôle technique quinquennal. Alors, il faut d'abord savoir que c'est une obligation. Ils n'ont peut-être pas trouvé d'intérêt non plus au contrôle technique automobile. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, personne ne se dispense de le faire. Et parce qu'il y a un macaron sur le pare-brise de la voiture, et qu'on se fait verbaliser s'il n'y a pas le macaron. Alors, il n'y a pas de macaron sur l'ascenseur. Il n'y a pas non plus d'agent de la force publique qui passe pour verbaliser si le contrôle technique n'a pas été fait. En cas d'accident, par contre, le juge prendrait en considération l'absence de contrôle technique. D'accord, ce serait un cas aggravant par rapport à la situation. Ce qui veut dire là, dans la deuxième tranche qui devait se terminer en 2013 et qui est donc reportée au 3 juillet 2014, le contrôle quinquennal lui interviendra ou plus tard, normalement, doit être fait au 3 juillet 2015. Alors c'était one shot, c'était le point de départ. Donc le point de départ, c'était 1 an après l'exécution des travaux de la première échéance. 31 décembre 2010, 31 décembre 2011, tous les contrôles devaient être faits. Puis, après 5 ans,
après la date du premier contrôle, d'accord, et ainsi de suite. Donc 2015-2016. Ceux qui n'ont pas encore fait aujourd'hui doivent le faire. Ils le feront en novembre 2013 et le suivant, ils le feront en novembre 2018, et ce, indépendamment de la programmation de leurs travaux de mise en sécurité. D'accord. Ce qui peut être gênant, du coup, parce que ça veut dire que si on n'est pas à l'aise, parce qu'on n'est pas tous spécialistes des ascenseurs, donc si on veut s'assurer que le travail a bien été fait, ce n'est pas évident de se dire qu'il va falloir attendre 2 ans, et du coup, au bout de 2 ans, de se dire... Est-ce que c'est l'usage de l'ascenseur ou est-ce que ce sont les travaux de rénovation qui éventuellement font qu'on ne va pas avoir le... Donc c'est toujours, je dirais, je fais la même réponse que tout à l'heure, à savoir, j'ai une relation de confiance avec l'ascensoriste, je lui fais confiance, il m'a prescrit des travaux, il les a exécutés, il a mis l'appareil en sécurité, il me donne toute garantie. De toutes les façons, s'il devait y avoir quelque chose, sa responsabilité serait engagée tout autant que la mienne, et fort probablement plus que la mienne si ces travaux n'étaient pas faits de façon exhaustive. Si je veux prendre plus de précautions, plus de sécurité, m'entourer de compétences, il y a des bureaux d'études spécialisés auxquels on fera appel, et ce sont souvent les mêmes personnes qui agissent en tant que bureau d'études et agissent en tant que contrôle technique. D'accord. Donc le contrôle technique, on le fait à la date prévue et quand c'est nécessaire. Le conseil du bureau d'études, on peut le prendre à tout moment. D'accord. Oui, parce que, pour prolonger un peu la question, si jamais on constate qu'il y a quelque chose, les travaux de rénovation n'ont pas été complètement faits ou correctement faits, il faut pouvoir retourner voir l'entreprise qui est intervenue pour lui dire, bah, là, vous me fassiez un service après-vente. Alors, ça se fait régulièrement. Lorsque le contrôle technique est exercé, si le contrôleur technique détecte quelque chose, on met les cartes sur la table et puis on cherche à savoir pour quelles raisons. Il y a pas mal de cas de figure où les propriétaires ont parfois fait des choix dans les obligations en disant ça on prend, ça on prend pas, on fait le tri. Puis ça se révèle lors du contrôle technique s'il y avait effectivement obligation de tout faire. En général, le contrôleur technique va trouver une difficulté, un problème à résoudre parce que les travaux n'ont pas été faits exhaustivement. D'accord. Mais ce qu'on comprend dans toutes les explications, c'est qu'il y a des obligations, mais il n'y a pas de contraintes à faire. Si ce n'est de prendre le risque quand un accident arrive, Il y a une contrainte, si, prévue par la loi, c'est que la loi prévoit un système d'amende. Donc, si les travaux ne sont pas accomplis dans les délais, il y a une éventuelle amende, mais qui n'est pas très dissuasive parce qu'elle est d'un montant maximum de 450 euros pour une personne physique et éventuellement le quintuple pour une personne morale comme un syndicat de copropriétaires. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas dépêché toutes les forces publiques de France pour aller verbaliser les ascenseurs qui ne sont pas mis en sécurité. Le risque, c'est vraiment la personne qui porte plainte. Il faut savoir que toute personne vivant dans l'immeuble, que ce soit un locataire ou un propriétaire, ou simplement fréquentant régulièrement un ascenseur qui n'est pas en sécurité, elle considère qu'on lui fait prendre des risques et elle peut, ne serait-ce que pour cette raison, porter plainte. La préfecture de police de Paris, qui exerce les droits du maire pour un certain nombre de prérogatives, et c'est propre à Paris, a prévu d'exiger la mise à l'arrêt des appareils qui n'auraient pas été mis en sécurité sur les dispositions de la première échéance, donc qui était due pour décembre 2010, sur des risques d'accident très graves. Par exemple, une serrure qui n'est pas de sécurité et qui peut être défaillante, on ouvre la porte sur le vide, on tombe dans la gaine. Un grillage de gaine qui n'est pas sur toute la hauteur de la gaine dans le bâtiment sont des raisons pour lesquelles la préfecture de police peut demander la mise à l'arrêt d'un appareil si quelqu'un porte plainte et après une expertise. Enfin, si quelqu'un saisit la préfecture de police et après une expertise. Et qu'elle considère que la plainte est avérée et, Oui, ils vont constater par eux-mêmes, effectivement, sur place, une gaine qui n'est pas grillagée sur toute la hauteur. Un locataire de l'immeuble saisit la préfecture de police, elle diligentera des gens pour s'assurer effectivement qu'il y a cette anomalie et demandera la mise à l'arrêt de l'appareil tant que l'appareil n'aura pas été mis en sécurité. En province, c'est la mairie. En province, c'est le maire qui exerce ses prérogatives. Dernière question des gens qui vous demandent, sait-on la durée moyenne d'immobilisation de l'ascenseur pour le mettre aux normes ? Alors, c'est éminemment variable. Mais justement, hier, j'avais un groupe de travail qui planchait sur le sujet. Et il s'avère que pour des appareils sur lesquels les travaux à faire sont relativement mineurs, et c'est, je pense, pas une majorité, mais sans doute probablement 30 ou 40% des appareils, les immobilisations ne dépassent pas 2 jours. Pour la majorité des appareils, elles ne dépassent pas 8 jours,
pour la très grosse majorité des appareils, ne dépasse pas 8 jours. Et ça n'est que lorsqu'on a des appareils qui n'ont que très peu fait l'objet de travaux auparavant, et où il y a des travaux assez conséquents à faire, qu'on va trouver éventuellement des immobilisations de plusieurs semaines, 15 jours ou 3 semaines. D'accord. La moyenne, c'est plutôt ça. À partir du moment où ce n'est pas des travaux légers, on est sur plusieurs semaines. 15 jours ou 3 semaines, lorsqu'il y a des travaux lourds à faire, mais ce n'est pas la majorité des travaux, loin de là. Et bien évidemment, ça va dépendre également du nombre d'étages de l'immeuble. Plus il y a de portes, plus il y a de travaux, plus ça dure longtemps. Très bien. Merci beaucoup Jean-Luc de Tavernier d'avoir répondu aux questions de nos lecteurs. On est désolé auprès de tous ceux qui avaient encore des questions à poser, mais le temps imparti à notre rendez-vous est à présent terminé. Je remercie Steve qui était à la technique. On se retrouve très bientôt le 30 octobre et ce sera en compagnie d'inspecteurs des impôts. Nous vous proposerons une session de questions autour des impôts locaux et en ce moment le sujet fait débat. À bientôt sur l'internaute.com.